Salutations, échange de civilité entre le président de la transition et l'ambassadeur de France au Gabon ce jour. Il s'agissait surtout d'un large échange de vues sur la coopération bilatérale et le processus d'approbation de la nouvelle constitution par voie référendaire. Nous avons parlé de sujets classiques, comme il convient dans une audience de ce type, des relations bilatérales entre la France et le Gabon et du soutien que nous apportons au Gabon dans ce processus de transition. Nous avons eu un large échange de vues sur tous ces sujets et en particulier sur le début du processus d'approbation de la Constitution par la voie référendaire qui va commencer dans les jours qui viennent. On a eu un échange de vues sur cette question très importante et capitale pour l'histoire du Gabon. Et bien évidemment, nous souhaitions que le débat soit démocratique et que le peuple gabonais se détermine sur ce texte en toute souveraineté. Prévu le 16 novembre prochain, l'organisation du référendum constitutionnel marque une étape clé du processus de transition avant le retour à un régime civil, comme promis par le CTRI au lendemain du coup de la libération.